Si je reviens un peu sur ce qui a été dit dans la vidéo, on a vu qu'au début, l'association était très liée aux Scouts et Guides de France. En fait, la plupart des membres fondateurs faisaient partie des Scouts et Guides de France et ont commencé le site sous l'appellation de Réseau Parents et Amis, faisaient partie de Réseau Parents et Amis, des Scouts et Guides de France. Et après, il y a eu des élans au fur et à mesure que le mouvement évoluait, que l'association évoluait, que les gens à l'intérieur de l'association évoluaient, de pouvoir s'ouvrir à d'autres mouvements. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se structurer en association pour se dire, bon, on va être toujours partenaire, bien évidemment, des Scouts et Guides de France, mais pour pouvoir s'ouvrir plus facilement aux autres mouvements, on a voulu fonder une association.